how to learn French, the grammar, how do you pronounce things, how do you speak more fluently, how can you understand French, what about the silent letters, there's so many letters in French and you say so little, what about that? You're at the right place. Turn on the subtitles. This is How I Learn French 101. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel vlog et une nouvelle French Friday! Tenses, past, present and future. Grammaire en français était, je crois, difficile. Ou, je sais pas, j'aime ce mot difficile parce que c'est beaucoup vous faire à cette grammaire. C'était simple. Mais avec français, je crois, il est un peu difficile parce que moi j'ai problème avec cette grammaire aussi parce que tous ces français sont nés c'est même. Il est juste et c'est toute cette tense. Et mais je crois que c'est en français il est un peu comme personne utilisée quand parler. Il est aussi autre qui est juste ancien et utilisé à cette littérature, je crois. Donc, ouais. Il est comme anglais. I would have been if I were to. C'était un peu compliqué et structuré. Il est, ouais, deux verbes. If I had to. Had to. C'était plusieurs difficiles en français pour moi. Parce que, vous savez, je vais juste faire un peu à langue. Non, anglais. Je vais juste faire un peu à langue français à l'école. Et était année depuis. Et grammaire. Non. Mais je crois, j'ai un petit tip pour cette passe composée. Maintenant je parle, à hier je parlais. C'est cette chose comme et c'est plus difficile à moi, à parler comme cette. Parce que je crois, je crois maintenant il est un peu naturellement pour moi à parler. Mais cette temps, il est difficile. Je crois il est beaucoup de... Je parlais, je prendrai. Et oui, elle est difficile. Mais je crois à mon best tip, et juste regarder beaucoup de grammaire online par la personne qui est français. Mais moi, je voudrais regarder un peu moi et faire une vidéo. Ouais, parce que je crois beaucoup de vidéos online juste parler à cette et faire c'est difficile. Monsieur, j'aime préparer et faire cette vidéo à vous et je dis à une simple manière. Si je dis simple, et les si, et pas beaucoup de technique parce que nous juste voudrions parler, pas beaucoup de technique, juste parler. Oui. Always found that the words ending in N have a slight hint of the letter in the pronunciation. Am I wrong? Isn't it funny how some words you can say the last letter like avec? Non, il est vrai, mais parce que cette N est ok, c'est mystérie à français. Français, et si vous regardez à cette langue écrite, il y a beaucoup de lettres, et si vous écoutez personne qui parle français, il est pas cette sonnet et il est pas beaucoup de sonnets comme beaucoup de lettres. Pas prononcé ici. Et cette raison est parce que en français, je dis presque tout ce temps, deux lettres forment une sonnet. Utiliser cette langue et prononciation correctement, vous besoin connaître ce système. Cette raison N est pas dit, mais dit un peu. Et le N est seulement avec I-N-E-N, cette lettre, ouais. Comme cette mot jardin. Jardin. Mais, vous pas, cette I-N, c'est le sonnet A. Créer ce sonnet A. Donc, jardin. Pas jardin. Pas jardin. Il est jardin. I-N equals A. Jardin. Mais, oui, donc, quelques mots, vous écrit, non, sonnez un peu N,
Parce qu'il est, oui, il est dans mon jardin. Il est un peu son nez. Il n'est pas une haine, jardin. Mais il est un jardin. Oui, un peu. Donc, il est correctement beaucoup de mots qui finit avec n et un peu hint n. Il est juste normalement. C'était vrai. Et oui, quelques mots comme avec, vous prononcez cette que avec. Donc, il est parce que c'est des règles. Jardin à jardin. Moi. Moi. Toi. Toi. Ah, ch. Ch. Voilà. Ch. Champagne. Nye. Nye. Champagne. Oiseau. Oh, oh. Et en français, il n'est pas, vous pas dit cette H. Oui, il n'est pas, c'est un nom, donc, mais il n'est pas Harry Styles. Ou Harry, il est Harry. Hasard. Pas hasard. Et c'est D. Non, il n'est pas logique pour moi quand j'étais, je ne crois pas. Mais cette est prononciation le. De. Mais cette, regardez un peu cette même, mais cette S, c'était juste les. Des. Le. Les. Et c'était important parce qu'il est. Il est différent dans cette. Que vous dire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mort, cette mode, quand on parlait un peu pas correctement, mais les. Et le. C'est différent à cette. C'était juste différent mode. Et donc, cette est pas ou pas dit, c'est normalement temps, mais quelques temps vous dit parce qu'il est cette tense. Donc, je parle, il changeait. C'était deux et en français, il est. Et. Cet accent qui est à droite. Et cette langue sonnait. Donc, je parlais. Et cet autre, il est corps. Il est cet accent à gauche. Et cet corps, c'était par exemple dans cette sonnet, non, cet mode crème de la crème. Crème de la crème. Si vous pas regardez cet accent, cette E est prononcée E, mais pas dans cette fini à cette mode, pas dit. Mais c'est très important et regardez pour ce système, ok? Parce que cette, si cette E ou cette E, si cette E est avec N, il n'est pas E, il est A. Il est important à analyser cette mode, regardez, ok, quelle est cette lettre ici, quelle est cet ensemble, et regardez peut-être. Quand vous lire, juste faire une peine et regarder juste marque cette. Ok, ici, cette, ici, cette, ici, cette. C'était cette simple forme à regarder, familière à cette mode et ce système. Et c'est en français, il est cette liaison. Donc, il est quand vous parlez un peu rapidement. Et pas dit comme ça, je m'appelle, vous dit un peu, je m'appelle, blablabla. Mais cette mode est pas dit, vous dit, vous savez. Je crois qu'il y a beaucoup de S et cette vocale, c'est juste, il est comme l'anglais par exemple, pas law and order. Law and order. C'était pas cette même pour cette, mais juste pense à I'm gonna. Il est juste ensemble. Il est difficile pour personne qui juste connaît I'm going to à compris. Hein? I'm gonna. Qui gonna que c'est. Donc ouais. Beaucoup de temps. Juste quand regarder et sonner à français. Écoutez, vous avez, si je
parler 17 très rapidement. Je vais pouvoir faire cet ensemble, oui ou non. Vous savez? Ouais, c'était au cause, c'était normalement. Je parlais. Non. Il est. Je pose parler. Speaking, listening, vous avez besoin d'écouter un normalement français, parler et c'était bon. Accent, ce système, cette règle. Essayez mimique cette personne qui parle cette vidéo. Et si vous regardez la vidéo chaque journée, il était normalement et vous commencez juste à parler comme cette personne vous regardez. Ouais. Et oui, cette prononciation. To find someone to practice. Ouais, I took it, mais c'est vous besoin acheter, mais c'est autre qui est gratuit, qui est pas acheté, c'est je crois juste regarder sur Instagram, regarder hashtag français et français language exchange, et c'était beaucoup de personnes online qui faire cet exchange, mais c'était normalement exchange. Vous avez besoin d'aider une autre personne. Oui, et à Facebook, il y a beaucoup de groupes. Il y a Learn français, il y a cette language exchange. Oui, donc, ouais. Mais si vous juste travaillez à vous, à votre français, je recommande iTalki. Je ne suis pas utilisé, mais je voudrais. Je voudrais finir cette vlog ici et je dans cette future voudrais faire cette vidéo à grammaire et ouais si vous voudrez cette grammaire vidéo écrit dans cette commentaire et si vous autre question juste écrit dans cette commentaire et merci pour votre attention si vous aimez cette cette format avec cette sous-titre est seulement en français écrit. Oui, merci. Si vous aimez cette vidéo et mon chaîne, peut-être abonnez. Je poste un nouveau vlog chaque vendredi parce qu'il est French Friday. Donc, ouais, merci. À tout à l'heure. My friends are in the club.